Olioulès, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Et nous retrouvons pour les vœux de début d'année, donc 2011. Une année que je souhaite pour vous tous, à titre privé et personnel, une très bonne année, une année de santé, une année de réussite pour vous, pour vos enfants, et une année de bonheur. Et puis pour notre commune d'Olioul, une année de poursuite, donc d'excellentes réalisations comme on a fait en 2010, puisque nous nous trouvons là sur la place Trotoba qui a été entièrement aménagée avec la rue nationale et qui a pu bénéficier, comme vous le constatez, puisque même si c'est la fin, nous sommes là au milieu de la forêt des enfants, la forêt de sapins des enfants. Eh bien cette année 2011, nous allons tout d'abord nous occuper de l'hôtel de ville que nous aimons beaucoup, que nous allons respecter sur le plan de la façade, mais que nous devons réaménager, agrandir à l'intérieur, tout simplement pour respecter nos obligations en termes d'accès pour les handicapés, mais également nos obligations pour cette commune de 14 000 habitants qui aujourd'hui a un conseil municipal de 33 membres et qui, dans cet hôtel de ville, n'en avait pratiquement plus la place. Donc nous ne voulons l'agrandir, nous allons le faire. En 2011, ça durera certainement un peu plus de l'année 2011, puisqu'on compte retrouver l'hôtel de ville en 2012. Nous allons aussi nous occuper de ce grand terrain de la Castellane, avec son oliveraie, avec sa forêt, avec tous ses cheminements piétons, avec également la plateforme pour le stade, et puis la plateforme également pour les écoles, et les logements sociaux commenceront également à être construits sur ce terrain de la Castellane. Et puis nous aurons aussi, bien évidemment, le début de l'opération du Technopôle de la mer sur l'ex-marché floral méditerranéen, sur la Cagnarde. Ce Technopôle de la mer, c'est une grande préoccupation pour la ville, parce que c'est à la fois un très gros atout, mais aussi, bien entendu, un certain nombre de contraintes, et nous œuvrons pour faire en sorte que cette opération soit une pleine réussite. Nous aurons aussi à nous occuper au centre-ville, certes des logements sociaux, des réhabilitations d'immeubles, mais également de préserver tout ce qui s'appelle l'espace vert, les agriculteurs, bien entendu, mais aussi tout ce qui est développement durable. Ce développement durable ne doit pas être qu'un simple slogan, il faut que ça devienne effectif sur le terrain et nous nous y employons. Vous avez vu le travail qui a été fait sur les bords de REP, eh bien nous allons continuer dans ce sens également. Nous aurons, je l'espère, un début d'opération à la Panagia et nous aurons de Panagia, où il doit y avoir là aussi de nombreux logements libres ou sociaux. Et nous aurons des opérations de très grande envergure en matière routière avec le giratoire de la Panagia, mais également avec le giratoire dit de Balico, qui est sur la RD11 et sur la route de la gare. Là, avec la protection des piétons, la protection des cyclistes, et puis, je l'espère, une fluidification de la circulation sur cette route. L'échangeur, ça sera certainement pour bien plus tard, mais 2012-2013 devrait voir également la réalisation de ces opérations. Donc vous voyez, c'est une transformation importante de notre commune, mais une transformation tout en gardant son identité et tout en gardant son cachet de véritable village provençal. Voilà quelles sont les grandes lignes pour l'année 2011. Je souhaite que vous nous accompagniez tout au long de cette année avec toutes ces opérations, toutes ces festivités également, et puis tout le travail qui sera fait à l'extérieur de Olioul, notamment dans la foire internationale de la Roche-sur-Foron, où la ville d'Olioul sera l'invité d'honneur de cette foire qui va recevoir sur 10 jours plus de 100 000 habitants. Donc beaucoup de travail pour cette année 2011, beaucoup de réussite pour nos enfants, pour nos scolaires, ils sont très nombreux sur la commune, et beaucoup de chance à vous toutes et à vous tous
pour cette année 2011. Bonne année à tous. Merci.